Bonsoir tout le monde, bienvenue sur News Daily. Jeudi, c'est jeudi 1er octobre. En fait, semaine n'a pas fini. Et en pile, député pour le préparer pour entrer dans la campagne. Il était supposé voter hier, ils font campagne. Jeudi, Nancy Pelosi pour le rencontrer avec le ministre commerce là. Il a fait Sandaré Léon dernier effort pour voir est-ce que finalement. Il n'y a pas arrivé et voté, bagasse qui a parlé depuis longtemps, et relief package, cop coronavirus. Et mes fans, plus que jamais, il y a une urgence sur le dossier ça. Parce que nous faisons ce que tu apprends là, il y a un chiffre astronomique, un chiffre énorme qui fait breaking news en matière de sa nouvelle et en employment. 837 personnes. Semaine dernière, fait un employment. Nous apprenons que American Airlines pral mette à terre là plusieurs moun. Et donc, bagay yo critique, yo avait affecté l'économie. Hein? Donc, j'en dis là, Nancy Pelosi qui a rencontré avec ministre commerce là matin pour qui sa kasoti. Et en fait, depuis 2 mois, yo pa jam chita pale, mais ces derniers jours, depuis semaine dernière, sa semaine ça, yo restart pour parler ya. Pour yo, est-ce que yo capable on di beat the clock, puisque TikTok, temps pa avancer la pari de temps encore. Et ya pour est-ce que au moins yo capable arriver sauti un bagay, surtout gen un bon député qui vulnérable qui dit au même fok gon bagay qui fait parce que yo pa ka vwe al nan l'élection de bras pendis. Al parler avec mon yo a baillé et puis yo pas voté en rien pour yo. Et maintenant et hier mercredi a et Jean Doula député ou t'as pas voté mais à la dernière minute yo font camper sous vote là justement pour yo bail temps et pour être si capable de gagner une sorte de compromis. Et maintenant, ça nous fait qu'apprendre là, qui est assez intéressant, c'est que la Maison Blanche, eh bien, dit que l'IPRALE est pire haut que 1,5 trillion. Ça veut dire comment ça va avancer. Et puisque y a eu affaire de COB et pour Airline, y'a mette monsieur. La Maison Blanche, d'après dernières informations, au tavelé rivé jusqu'à 1,6 trillion. Donc nous avons une différence alors que démocrate c'est 2,2 trillion. Donc si nous comprenons là, on a fait de 6 billions qui séparent. Nous pensons que yo a rapproché et que si une bonne volonté capable de gagner un bagage qui sorti. Et deal qui gagne hein, d'après ça que nous apprenons et gagne là dans normalement 250 milliards de dollars pour state local avec local government et en guise de 600 dollars pour un emploi maintenant yo pral passer à 400 dollars par semaine pour un emploi maintenant et donc on essaie de comprendre pour qui ça tout marché précis ça parce que jeudi à ce jeudi si demain si Dieu veut pas grand rien fait ça qu'a passé c'est que l'homme que yon l'autre fois encore après retourner dans district yo pour y aller dégager yo et al, parce que yo pas rentrer dans campagne mais négociateur yo nous le parler Pelosi et ministre yo indiqué que même lorsque, bien entendu, ça ne veut pas dire que pas sorti en semaine. Même lorsque pas grand qui a sorti, et a dit en parlant de jeudi à vendredi, il a dit qu'il a continué négociation en semaine dernière. Il a continué négociation en semaine qui a vu là, et que
aussitôt que gagne un deal qui prend, qui t'a joint, on entend, y a prêlé l'homme cœur yo dans 24 heures bien rapide pour Anik vinn voter. OK? Sauf que dit après les normes que yo, donc n'a parlé de tout scénario possible. Et ça veut dire pour parler aux jeunes tout là à continuer et pour jodia donc jeunes tout là et ça fait venir en pile motivation de la part de Maison Blanche et en pile mon a perdu travail yo deux gros compagnies American Airlines et United Airlines yo a jodi a yo gantan en fait pour jodi jeudi a là c'est 32 000 moun ke yo folo on comprend ça veut dire 32 moun moun qui retrouvé au chômage donc c'est pas jouette et pas oublier que US Airlines yo depuis longtemps yo t'a dit fort oh, la gon baga nan moun nan payroll là faut parce que pas capable encore bien entendu et donc jodi a 32 000 moun la caillou donc pour parler entre Maison Blanche et House Democrats yo justement cap avancer jodi jodi a capable dire 2 trillions avec 1.6 trillions so 4 en dirait 6 billions 6 milliards de dollars 600 milliards excusez-nous 600 milliards de dollars et qui séparé yo. Donc ça t'a voulu dire que nous pensons que ça qu'arrivé vinn gon accord autour de 2 trillions. OK, ça qu'arrivé. Bon même lorsque on est arrivé à 1.9 trillion. Donc c'est des choses qui sont possibles. Et bon, parlant de ça n'est les budgets, hein, stop gad pending. Là nous connaissons budget a été arrivé voté à la dernière minute hier soir, sénateur a voté. Nous les long stop gap, dit bon budget proprement dit puisque son bagage qui pourrait aller de septembre jusqu'à 11 décembre. Donc Trump signe un lit, c'est justement pour être capable éviter pays à entrer et dans un shutdown. Donc maintenant pas oublier que dans budget a pas gon bon problème que yo pas adressé et bah d'ailleurs yon nan problème que n'a parlé de li là que et comme yo di yo lagé et dégagé yo c'est cause USCIS nous connaît qui pas gen cob qui te gen pour le voyer en paiement la caillé comme si yo di USCIS dégagé yo presque pas parler de ça on va connaître dans éventuel deal de coronavirus me penser y a include li il y a metté la donne quand et ça nous pensait mais d'avant dire que pendant toute négociation on a fait là Macronel bon côté parle dit lui-même que il pas gagné en vote il a parlé de résistance de la part sénateur républicain pour voter mais il est clair que depuis Maison Blanche est choisi ça passé n'a gagné 47 sénateurs n'a besoin combien n'a simplement besoin et 13 républicains. Donc, il est clair que c'est vrai que on parle d'un bon républicain qui pas voter, but président Donald Trump capable joindre 13 pour petit bien entendu, le quand même plus 13 alliés qui acceptent rejoindre les démocrates pour faire un vote bien entendu pour en fait qui pour débloquer le tout, vous comprendre ça. Parce que monsieur a là et après ça saute prendre lundi à son blowback lié tout conseil lui a dit mes amis monsieur crasé nous monsieur touye nous et monsieur fait 17 pas en arrière après performance que lui saute fait et mardi dernier là et en pile mon a dit que c'est une véritable catastrophe donc et on dit côté que la vie une possibilité pour le signer, en fait, un chèque de 1200, c'est tapion vraiment remonté que le tapis. D'ailleurs, faut dire que stock market la fait un descend. Chaque fois, gain espoir dit stock market la font monter. Hier, c'est après déclaration McConnell là, il était font descend. Mais faut dire que c'est vrai que McConnell et en pile sénateur républicain
dit au même yo pas en faveur de Sandra Leon relief package. Mais les clair jeune tout là, démocrate c'est 47 sénateurs. Donc nous pensons que le président il gain assez influence justement pour joindre plus que 14 sénateurs républicains qui pour backup li pour que capable gagner un vote et pour capable gagner un vote qui passait. Donc voilà guys, et nous te pote yon update pour vous sous évolution causée comme coronavirus ça. Donc j'en dis là et tout après-midi à la ap gen pour parler, vendredi ap gen pour parler, et nous autres nous pensons que gen matière pour ta jwenn encore là. Gen matière si bien de bonne volonté des deux côtés. Donc nous autres n'ap suivre et n'ap gen pour nous porter update yo pour vous comme d'habitude. D'ici là, rebranchez, reconnectez. Les toutes dernières informations, n'apportez-vous pour vous. Bye bye tout le monde.